kitamu sana. Unapaswa kujitambulisha kama wewe ni nani? Kwa majina naitwa Kambale Mwendo Sanani Jeremy. Leo unapatikana wapi na ulipatikana hapa mwali gani na leo hali inaendelea namna gani? Nilipatikana hapa taxi daba alinigonga. Papa Obea alinigonga njoo. Mungu ashanisaidia nishatoka kwanza. Nishatoka kwa bie sikukufa. Na Mungu asaidie tu kunichunga vile. Naye tu aendelee tu kumsaidia. Mungu jana panga kama maisha mtu. Nikameme ndaivulie bie. Kichwa sisikie mbaya sana. Mgulu sisikie mbaya sana. Mungu tota ivulie kunisaidia. Na examen nilifika kule donge wanasema tu niko bia niye peke peke obe kuna nifika hapa kuna nisulikia sana kuna nisaidia tu kila kitu kwa mfano kupia kukula nini kulipa dawa mafatiri manini maordonasi kote kuna kupali mie na obe hakuna maneno Mungu amsamehe naye alikuwa na hayue nye nye alifaka Mungu na napanga kavi yake hapana Mungu hakuwa anapenda sijui na yeye sasa tuwa na yeye kama tu taonana kama aksida ama tulifanya nini mimi tu nilistuka katu nyuma yangu basi hapana hakuwa na kufili kwa chef tunaonana katu bie mbara tusalimiana okay ndio mesai mnasema kwanza mimi napima kutoka kwa hospitali na yeye kwa nje kwa nyumba nijikokotewa kunyumba na kwa nakia faa pasima na niko na nani kunyumba na niko narudi kunyumba ae mbo relasyo haezike Mungu jana panga vyake relasyo ningelikuwa na nimekufa njo relasyo ngekatika mia nae mea sava sava merci mpashia evoli bie sono se Kambale age de 32 ans qui avait connu un accident le lundi passé, donc ça fait environ une semaine maintenant. Et il avait connu vraiment un traumatisme crânio-encéphalique avec une plaie au niveau de la jambe droite. C'est comme ça qu'on l'avait réussi et soigné, traité. Et voilà, le septième jour, il évolue très bien. Il a toutes ses facultés. Il marche bien sans problème. Voilà, c'est ça en bref. Donc le malade évolue très bien. Avez-vous eu le temps de procéder aux examens conséquents sur le plan médical? Justement, nous lui avons envoyé en Ouganda pour la radiographie du crâne, face et profil, un profil. Et ce dernier était vraiment sorti sans problème. Les os du crâne sont intacts, ainsi que même les os de la jambe droite. Donc, le traumatisme, c'est vrai, c'est un traumatisme grave, mais ce que nous disons et ce que nous disons à notre Dieu, c'est que les os n'étaient pas touchés. Et pour finir maintenant, vous avez quelle appréciation pour sa sortie? Voilà, nous comptons signer sa sortie aujourd'hui, mais avec presque des recommandations, puisque normalement il doit être soumis à un repos physique et intellectuel, mental. Donc il ne doit pas trop réfléchir et il ne doit pas faire des mouvements, dire que non, il va aller au chat, aller chercher à manger pour sa famille, non. Il sera soumis à un repos d'environ 90 jours, sans travailler. C'est parmi les recommandations avec justement une ordonnance aussi pour les produits qu'il sera en train de consommer à domicile. Mais il faudrait que ce produit soit vraiment approprié des beaux produits de spécialité. Merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Minjo bia ke bonango na msulikia bia kuna nipatia chakula. Kama ni dawa biko nampatia. Kila kitu kyote ordonnance yote biko napana. Na mwenye unamshurikia ni nani? Mwengu na mshurulikia ni papa ube mulifu. Sasa una neno gani ya kuelezea wakua wote wenyewe na kusikiliza kwa wakati wakua wakazi na mingi? Ninasema merci sana kwanza kusurulikia bwanangu. Kwa kazi yenye viku nafaa, tunasema merci sana. Leno se Edo Katembo Mchikele.
Vous êtes? Je suis le responsable de Salane Jérémy. Qui est? Qui a été victime d'un accident. C'était lundi passé. Et qui était sous traitement ici chez Ousalama. Maintenant, il évolue bien et on vient de signer sa sortie. Et vous, comme famille, vous avez quelle impression? Non, nous disons d'abord gloire à l'Éternel, parce que Dieu est là. Après les examens au niveau de l'Ouganda, les résultats ont été négatifs, ils n'ont pas été touchés au niveau de la crâne. Et la jambe droite aussi avait connu une plaie, mais quand on a vu la radio, ce n'était pas grave aussi. Donc si je peux dire, jusque-là, il évolue normalement. Et qui assure la prise en charge médicale? Oui, en tout cas, je félicite les autorités de la douane parce qu'ils se sont manifestés. Ils avaient accepté de prendre les malades en charge. Et jusque-là, en tout cas, tout évolue bien parce qu'ils envoient la ration et les frais de traitement. Donc, la famille n'a aucun problème avec l'auteur de l'incident? Non, en tout cas, pour la famille, nous demandons seulement qui est réparation seulement. Entre famille, on est frère, l'accident est arrivé. Ça peut arriver à tout le monde. Mais quand même que les victimes se retrouvent un peu dans ses droits. Parce que vous voyez là, les médecins viennent de lui recommander un repos médical de 3 mois. Et c'est un motard, débrouillard, qui n'a pas de capitaux. Ce que je peux demander, c'est une prise en charge au moins dans cette période de repos médical. Et pour finir, vous avec la famille et M. Robert Molifa, c'est comment maintenant? Non, jusque-là, la douane a réparé la moto. La facture était sortie et on est allé à la douane. Ils ont remplacé tout ce qui avait été endommagé. Disons d'abord gloire à l'Éternel parce que les malades vont sortir. Et qui était à tête entre les malades et la personne qui l'avait connu. C'est qui exactement? C'est Molifa Aubert. Mais ça évolue. Ça évolue. Donc, je n'ai pas voulu qu'il y ait comme s'il y ait trafic, comme les malades évoluent. Lui-même sera tête à tête avec son frère Aubert. Et il va trouver un terrain d'attente entre deux. Nous, on va l'accompagner en tant que famille parce que c'est lui qui sent la douleur et qui sent l'évolution sur son corps. Donc, je demanderai qui est tête à tête entre lui et Aubert. Et que ça se termine dans l'amiable en famille. J'imagine qu'il va suivre votre vanise en chemin à couler les points. Mais les appels d'attendre, ni putain de marchandises en blanc ou l'hypa qu'on dérange au personnel. Nico, ça c'est couler à quelque chose et mon fou quoi l'état. Na DGDA, service des arbres, ça c'est pour faire un cas d'isabo. Ça qu'on fait, on va te rechercher. Ça c'est pour ta foutre qui tu es qui l'hypa de la coulipa chérie à l'état. Quand on vient c'est ma semaine, qu'on a quoi conflit par rapport à qui tu foulani. Kwangu mie binafsi sina kabisa kofi na agence fulani sio service fulani douane hakuna kwenye mie personnel niko na kofi. Bote mama? Bote papa. Ozana sangoni ya kupesa biso par rapport à ba événement et le cas qui na secteur na bino ba di marché. Nazana sango ngana kupesa ya liboso nanu na sengi na kujua so bazana kare douane bali misangai. Bona na biki na obea wa mbule bele na sala ka fraude to bunda na ete na kola ina nzoto te mais
salaki ma ben na meli masanga na bank de komisa kinga na niveau anande na sengi na bakunjo so bazana ka redo ni bali misangai likambona na kozongi la kangoli susu te ni kosala kini na finga ki obel na lobea ki likambona lokuta na kombo na ezaki likamboni kwa sala ki aksida ezala ki pe ya linga ki te mezala ki ka aksida ko maki ndesi manango na lobaki na leta bakanga ende na sengi boli misangai kana sala ki likambona pona bulango. Mais c'est quoi la situation est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire accidenté ou garçon à salle qui accident à la santé de Joseph Boulende? Je suis en train de faire sans mesure. Ah, l'ilobayon et Asuka? L'ilobananga et Asuka dans le bibe pour les balles de sangai, les camponas à la qui n'a pas besoin de l'angoisse. Et ma camponos est beaucoup mal à ce moment-là, n'a pas besoin de la quantité. Bon, nilikuwa na shida ya motari wangu ambayo waligongana na ajamo ya wa DGDA. Alors, furangu nieke kuona ke duan ama aja DGDA asa ametengeneza moto yangu. Moto uliharibikaka, kulikuwa chuma fulani fulani za zilipasukaka, lakini zimekuwa mzuri, tumetia kwa za mopi. Na mgonjwa ametoka hospitali jana. Na DGDA pekepeke imelipa dawa. Ili ndio furaha yangu. Na garson mwenye natumikishaka? Garson mwenye natumikishaka jinaki. Jinaki iba na mwitaki soda. Hali yake? Hali yake kuna kia pole pole. Haya pona vrema mzuri. Lakini kuna kiku na pata afya pole pole. Maki unarasiriki moto yako? Moto yangu mikuwa mzuri. Na kwa mwisho? Na kwa mwisho na shukuru tu. Na shukuru kwa duani. Kufatana na inye wa metenda. Kurudisha moto yangu mzuri na kutunja mgonjo. Aksanti. Ndiyo.